Allez, salut à tous, c'est Kevlar830, on se retrouve donc pour la suite du let's play sur Resistance Fall of Man. J'aurais dit Resistance Fall of Man au moins une trentaine de fois aujourd'hui, je pense en avoir marre, mais c'est pas grave. Wow! Wow! Hey! Arrêtez! Non! Laissez-moi! Et laissez mes potes aussi! Et ils font mal, hein! Je suis en facile. Forme de reproduction, oui, allez, reproduisez-vous, des petites merdes comme ça dans les églises, tant qu'on y est, on fait affaire. C'est bon? Ah, un bout de tête. Qu'est-ce que... Oh non, pas eux. Ah, ils sont deux fois plus grands que nous. Et ils ont des armes de malades. Et ils sont très résistants. Regardez la taille du truc. Il fait ma taille en étant à genoux, gars. Et j'ai une nouvelle arme, le foreur. Pourquoi j'ai avoir peur? J'ai avoir peur là, non? Oh putain là! Ah! Vite, fusil à pompe! Double coup! Double coup! Ah putain! Voilà! Bref, je vais arriver à ne pas parler. Le foreur, en fait, c'est une arme qui transperce les murs. Et plus elle traverse de murs, plus elle fera de dégâts à l'arrivée. Mais du coup, c'est chaud. Mais elle est sympathique. Jamais, ils sont déjà dans une à une couverture. Non, pas comme ça. En gros, je peux leur péter la gueule. N'importe quand. Exactement quand je veux. Je peux leur éclater la fin. Je vais monter ou chercher. Je crois que c'est ça. Bim. 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 Patatatatatata. Ouvrez le frigo. Quoi, la musique elle veut pas s'arrêter. Je suis censé encore être dans l'horreur. Mais je sais toujours pas pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Mais d'accord, il n'y a rien. C'est tout de hérisson. Je suis équipé d'ailleurs. Glindre réfléchissante. Faudrait que je teste. J'ai jamais vu cette arme. Il me semble vraiment... Faut me dire... Mais vous êtes trop con, quoi! Putain! Mais elle fait peur, la bande de... Ah! Wow, wow, wow! Oh, trop! Ah non, j'ai jamais eu ça non plus. Vous avez vu? Il a tiré et toutes les balles qui étaient dans le rayon sont revenues vers lui. Ah, c'est stylé! Ah, c'est stylé! Du coup, il faut absolument qu'il tire pour mourir aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais franchement, hein, c'est pas mal. Du coup, je vais quand même prendre les hérissons et je sais que j'ai ça au moins. Ah, une hérisson! Là pour le moment on a eu 3 nouveaux monstres en 2 missions. Oh derrière moi la tête. C'est comme je vous disais, ça devient un peu plus chaud. Il y a pas mal d'action dans le jeu. C'est vraiment un FPS
basé sur l'action, c'est pas FPS à la Skyrim ou à la Fallout, si on veut, on peut sneaker, etc. On est obligé de faire tout en action. Mais, voilà. J'aime bien. J'aime bien le style de jeu. Je trouve ça plutôt sympathique. Un truc qui est marrant à faire avec ça. Ouais. Oups. Puis pour être sûr qu'ils sont morts. Allons voir là, le cratère. D'accord. Il n'y a rien à voir. J'aurais essayé. Ça, c'est un hurleur. Je vais donc prendre mon fusil à pompe. Ils sont où? Oh putain. Eh. Hey. Oh. Putain, tu me fais pas courir jusqu'à toi. Non mais ça se fait pas. Oh. Eh hey, oh, j'allais dire. Moi je voulais venir te chercher, mais il faut pas les blagues après. Merci. En plus, ils donnent des munitions de fusil à pompe juste vraiment pour dire vous ne savez pas comment les tuer? Eh bien, prenez cette arme! On va reprendre ça. Ah oui, les fameux champs de mines. Ah, ça, c'est des vraies mines hérissantes. Fuck it! Les 20 points de compétence, c'était le passer en entier sans perdre de dégâts. Ou faire toute la mission sans perdre de dégâts. Sans perdre de vie, pardon. Wow! J'avais oublié celle-là. Il y en a deux différentes en plus. Et en plus parfois il faut s'abaisser pour les esquiver celle-là, il me semble. Parce que elle c'est pas une comme ça justement. Aïe! Oh oh, j'ai un pieu dans la poitrine, non! Ou pas. Bon alors, nous continuons. Dans un cul-de-sac. Nous continuons donc, je disais, par là maintenant. Parce que je sais exactement où on va. Pas du tout. Ah, bonjour. C'est un accueil très chaleureux, je vois. Merci. Moi aussi, je vous aime, je suppose. Et bim! Quad feed! Oh merde. Triple alors, du coup. Dommage. Qu'est-ce qu'ils aient là? Quelqu'un peut m'expliquer ce que ce soldat foutait là? Oh! Bouge le cul! Ok, joue avec toi alors. Ça marche pas. Hop. Réflexe. Là, c'est faut sauter par celle-là. Non, c'est beau, c'est bien. Mais comme il montre pas mal d'exemples, vraiment qu'on comprenne un peu tout ce qu'il y aura dans le gameplay. Dans les missions après, à la fin, on aura vraiment de tout. Lui, s'est téléporté. Ou il a sauté, je sais pas. On va dire qu'il a sauté pour pas dire que c'était un bug du jeu, comme ça. Voilà. Alors. Wow! Ah, il peut tirer à travers les murs en plus, celui-là. J'aime bien faire ça. C'est ça comique. C'est comique! Alors. Putain. Sursaut à la con. Ah, encore un! Bon, tout va bien. On nettoie cette ville encore, et on a tué je sais pas combien d'ennemis. Je sais pas si c'est des stats d'ailleurs, mais bon. D'accord.
Ouais. Tout va bien. C'est fou comment on dépense blindé de munitions. Ah, il est pas mort. Il y a encore la hitbox, je ne peux pas passer. Vous sentez que ça a bloqué le petit niveau là. Quoi? Pourquoi il a explosé? Wow. Wow. Il va. Messieurs les commandements, les chimères sont arrivées au concours de Gourou. Ils sont suivant retranchés. Un petit coup de pouce venu du ciel sera pas de refus. Négatif, capitaine. On ne peut pas envoyer d'appui aérien avec un stalker dans la zone. Vous devez d'abord l'abattre. Affirmatif, commandement. On va stériliser l'endroit avant. Ah oui! Oh putain, j'avais totalement oublié ce que c'est un stalker. Bon, vous allez voir ce que c'est un stalker, c'est vraiment pas cool. En fait. You'll see. You'll see. Dans le prochain épisode! Je crois. Je pense que la mission est finie, donc. On est à 12 minutes. Nous allons donc nous arrêter là. Après avoir vu cette petite cinématique toute mignonne. Hey, mon pote, ça va? Allez, rentre! L'unité du capitaine Mitchell avait localisé le convoi. Mais des stalkers avaient été aperçus dans la zone, ce qui rendait toute récupération dans l'immédiat impossible. Le stalker est l'une des armes les plus terribles des chimères. Il se déplace vite et tire des missiles anti-aériens avec une précision mortelle. La technologie utilisée par le stalker reste l'un des mystères les plus étonnants et les plus frustrants des chimères. Mitchell avait livré une bataille perdue d'avance durant toute la matinée, tenant bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Pendant ce temps, les chimères ne cessaient d'arriver. Pour tous ceux qui se trouvaient au sol, il semblait que le convoi était pratiquement perdu. Mais j'étais là. J'ai tout vu. Seul contre tous. Et on va donc s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, j'y vais quoi. Donc salut à tous, c'était Kevlar830.